Eh bien c'est là tout à toutes ces Star Wars et aujourd'hui on se retrouve sur FIFA 16 en carrière manager pour le match à domicile contre Hoffenheim en Champions League. Mais avant ça on a fait quelques matchs avant, donc un contre Bournemouth, une victoire 2-0 et un contre Hull City, match nul, un but partout. Un match nul, un but partout avec l'équipe B. Niklas Süle s'est blessé lui pendant 2 mois et donc il va falloir faire sans lui. Et qui c'est qu'on va pouvoir se mettre à la place? Bah c'est Sakta. On va se mettre en attendant, on n'aura pas trop le choix. C'est le seul qui est pas trop utilisé. Utilisé pas. Ok, donc on va pouvoir faire place à ce match contre Hoffenheim là. En Champions League, on a 2 points de retard sur l'Ajax Amsterdam et 6 points de retard sur Valence. Donc on espère de l'autre côté, ça sera Valence-Ajax, donc il faut absolument que Valence gagne, comme ça Valence il serait sûr de terminer premier de leur groupe et nous on pourrait reprendre notre deuxième place si jamais on gagne. Bien, 2000 points. Tu l'as. Non! Tu l'avais là! Ah, plus 30 points. Oh putain. Plus 30 points aussi. Bien. Bien. Ok, par contre là on est tout seul. Oui, bien joué ça. Ah putain, j'ai cru. Oh là, c'est chaud là. Allez, faut qu'on en chope un. Ah putain. Ah! Ah, on avait fait 5710, il nous en manquait. Allez, c'est pas grave, on va jouer contre Hoffenheim à domicile. Il faut absolument les battre. Il faut absolument les battre. Maintenant, on n'a plus le droit à l'erreur. C'est pour ça qu'on affiche notre équipe. Ah, le match est lancé. Il faut absolument que aussi de l'autre côté, Valence gagne son match contre l'Ajax Amsterdam pour qu'on puisse revenir sur eux. Attention, parce que là, le ballon. Bonne tête de Djamat, même si on revient à l'épée de Hoffenheim. Attention au goal average aussi. Tout va pouvoir jouer, hein. Tout va pouvoir se jouer à la dernière journée. Oh là 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 là, il faut prendre le moins de buts possible. Surtout pas le premier. Oh là là. Heureusement qu'il a pas cadré sa phrase. On a eu très chaud du côté de Newcastle United. Il va falloir un petit peu se réveiller. Parce que Hoffenheim aussi, ils peuvent jouer l'Europa League. S'ils gagnent leur match. Ils sont pas très loin aussi, ils sont en plus à 3 points, donc c'est pas perdu non plus pour personne. Et le bon ballon vers la banque pour Mitrovic, il va falloir vite réagir à Mitrovic. Il va passer. Ouh, il a été bousculé sur sa frappe là. Sébastien Rudy. Allez, 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 allez les gars, attention avec Schmid. Bonne intervention de Mba. Busquets. Sissoko. 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 La montée de Moussa Sissoko. Djamat. Sissoko, bien. Kabela, il n'est pas passé. On sait qu'en plus, il va falloir faire sans Niklas Süle pendant 2 mois. Ça s'approche. Finalement, le match qui m'inquiète, ça sera contre Valence. Wijnaldum. Sans lui, ça va être plus compliqué en plus, sachant qu'il y avait eu déjà 1-1. Mitrovic, ah là là, il veut le chercher Kabela à terre, 13 minutes, corner pour Newcastle United. Le corner à suivre, il va y avoir danger. Tovin. Tovin, la tête de Busquets. Bien de contrer, bien dégagé avec Kim Jun-sung pour Schmid. Il
Avenchar. Vargas, oula, là-bas il est bien parti. Vargas là, le centre d'ailleurs de Vargas, c'est bonne intervention de Krul qui va donner le ballon à Florian Thauvin. Pour Cabella, ça passe avec un petit contre favorable quand même, avec la montée là-bas de l'autre côté de Wijnaldum qui est parti. La montée de Wijnaldum de face au numéro 3, face au numéro 4, Wijnaldum. Oh le poteau. Oh là 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 là, le poteau de Wijnaldum, et ça sera un 6 mètres derrière. Oh dommage, il était bien parti entre les deux joueurs. Wijnaldum était pas loin d'aller ouvrir le score. Allez, allez, faut continuer. C'est sur des bonnes accélérations comme ça qu'on peut faire la différence. On sait qu'il va falloir marquer pour gagner. Et si on peut marquer le plus de buts possible, ça serait bien sûr bien pour nous. Djamat avec Moussa Sissoko là. Il est parti, accélération de Moussa Sissoko au milieu de terrain. Oh, Cabella avec toujours lui, toujours Rémi Cabella qui est avec le ballon. Rémi Cabella, le centre là-bas pour Mitrovic, pour la tête. Oh, oh là 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 là. Ouais, parce qu'il ne peut pas la rabattre. Mais ça sera un nouveau 6 mètres, ça sera un nouveau 6 mètres. Dommage pour Mitrovic. Très grand, très bon de la tête, mais là, il n'arrive pas à cadrer cette tête. Dommage. Mais en tout cas, déjà, ce qui est bien, c'est que c'est Newcastle qui domine. Jouer comme ça, ça a l'air tellement. Oui, bien. Krul est avec le ballon. Attention avec Sakta qui n'a pas l'habitude de jouer dans cette équipe. Et pourtant, il va falloir qu'il trouve une bonne habitude en 2 mois là. Allez, Thauvin. Thauvin pour Wijnaldum, c'est bien. Belle ouverture là-bas de l'autre côté. Face au numéro 3 qu'il a déjà battu tout à l'heure. Il va remettre le même coup. Il va lui refaire le même coup. Il a encore battu. Le centre pour la tête de Cabella. Ça sera cadré, mais ça sera sans problème pour Oban. Wijnaldum très fort sur son côté. Oh, Djamat qui est allé au duel là. Ça va revenir dans les pieds au sol avec Voland. Oh, c'est bien fait avec Schmidt. Oh là, attention, le trou là-haut. Oui. Attention, bien joué hein, de la part de Willems qui aura anticipé. Et Busquets qui va éliminer les deux joueurs pour essayer de vite ressortir les ballons. C'est bien joué avec Cabella maintenant. Moussa Sissoko. Sissoko, Cabella, bien joué avec Wijnaldum. Il est face au numéro 5 cette fois-ci, Wijnaldum. Il va les éliminer comme les autres. Oh. Et pénalty trouvé par Newcastle United. Pénalty trouvé par Newcastle. Wijnaldum qui va s'en charger de lui-même. Il va falloir la mettre et surtout pas la louper. Hein? Oh! Putain, j'ai eu peur. J'ai eu peur, but de Wijnaldum, 34ème minute, 1-0 pour Newcastle United qui va revenir sur l'Ajax, qui va pousser. Pour faire la différence de but, qui va pousser Newcastle. Heureusement que ça revient sur lui, parce que là en plus il y a eu chaud, il aurait pu la récupérer le gardien. Oh là là là. Et c'est donc l'ouverture du score. Par contre, je peux pas dire, mais j'avais tiré en bas à droite, et il arrête avec ses pieds, on sait pas comment. Heureusement qu'on l'avait quand même. Busquets. De toute façon, on l'a mérité, parce que vu les occasions qu'on a eues. Sébastien Rudy. Ils en ont eu qu'une et c'est même pas un tir cadré. Mais bon, voilà. S'il était cadré, à mon avis, ça aurait fait mouche. Attention avec Schlager là-bas, faut pas trop parler. Le premier tir cadré. Et c'est Krul qui s'interpose en bas à droite de son poteau. Un ballon dur à choper, mais il attrape quand même. Et Krul qui va ressortir encore. Le gardien qui est dessus, pas de soucis. C'est bien. Allez, Kim Johnson avec le ballon. Il aura fort à faire là et préfère jouer derrière. Plutôt que de faire le duel avec Wijnaldum, là peut-être qu'il va y aller. Et il va s'en sortir, c'est bien. Sébastien Rivi. Oh le mauvais, le faux rebond qu'il a eu. Récupération Cabella. Cabella, bien joué pour Wijnaldum. Oh, il est très présent Wijnaldum de partout, il est sur le terrain. Oh Wijnaldum, la frappe. C'est bien parti. Oh, la reprise de Cabella, la tête. Cabella qui va la remettre. Oh, il s'est loupé de la tête devant Schlager. Oh, il avait tout tenté là. Il avait tout fait. Cabella qui avait réussi à la remettre. Finalement, Thauvin, lui, il peut pas la mettre au fond. Oh, c'est un bon match qu'on assiste quand même avec de très bonnes occasions. Newcastle qui pousse et Hoffenheim qui est à la défense et qui joue en contre. Le tacle de Sakta. Oh, il va laisser l'avantage. Et oui, parce que ça peut aller loin. Oh, la parade de Krul. Il va prendre le jeu en plus, Sakta. Attention, Hoffenheim en contre, on l'a dit. Heureusement qu'on a un bon gardien. La défense, elle a un peu du mal à se mettre en place. Et une nouvelle sortie de Krul encore.
Allez, c'est bon, tu l'as sans problème cette fois-ci. Et c'est la mi-temps. 1-0 en faveur de Newcastle United. On va aller voir le score entre Valence et l'Ajax Amsterdam. Les Valence qui mènent 2-0 contre l'Ajax Amsterdam. C'est important pour la suite. C'est important pour la suite. Valence qui, eux, sont en train de se qualifier sur la seconde période. Et pour la deuxième place, actuellement tout de suite, c'est. Et bah c'est les coéquipiers de Wijnaldum qui sont en train de récupérer cette deuxième place qu'ils ont perdue lors de la dernière journée sur le terrain de l'Ajax. Mais ils sont en train de le récupérer sur leur terrain. Et donc il va falloir continuer comme ça pour cette équipe là. Kim Johnson. Une équipe très bien en forme en première ligue, mais qui a peut-être un peu plus de mal. Un peu plus de mal en Champions League. Mais bon. Ils sont toujours deuxième de leur groupe et c'est le plus important, ils sont qualifiés. Attention après avec le tirage, hein, de ne pas prendre non plus des gens comme le Barça ou autre. Mais en tout cas, si on est premier de première ligue, c'est pas non plus pour rien. Schneider. Lukasic. Polanski. Kevin Volland. Et bonne intervention de Willems avec Mba. Bousquet. Et ce ballon qui sort, touche. Willems. Bousquet. Bousquet. Sissoko. Sissoko. Jamat. Jamat. Sissoko. Moussa Sissoko. Polanski. Je me penche mid. Ouais, rien à dire, bien joué, bien défendu. Ça retourne au milieu de terrain, c'est bien. Kevin Volland. Oh là, oh là, oh c'est contré. C'est contré, c'est revenu dans les pieds, enfin plutôt dans les bras de Krul. Oh non, oh non, oh non, pas ça les gars, pas ça. On s'est fait avoir là, ils ont bien joué, de toute façon ils nous dominaient. Hein. Il nous dominait là depuis la fin de la première mi-temps. Jusqu'à présent, mais à force d'être sollicité, il fallait bien que ça arrive à un moment ou à un autre. Et ils égalisent donc. Et il va falloir tous remobiliser nos troupes là, là-bas. Wijnaldum pour Tovin. Ouais, Tovin, non. Qui est venu s'empaler. Oh putain, Saktas qu'il a pris. Oh, attention. Schlegler. Lolololololo, bonne intervention de Willems là, faut vite récupérer la ballon, ça revient. Wijnaldum, attention à pas le perdre. Basket, ressortir vite les ballons. Cabella. Basket, bien joué. Mitrovic, basket, pour Moussa Sissoko dans la profondeur. Il aura essayé de le trouver. Attention parce que match nul, ça va être vraiment chaud. En espérant que Valence du coup continue pour notre goal average à nous si on finit sur un match nul. Parce que ça peut jouer carrément à la dernière journée. Si on gagne nos deux matchs, Cabella, il passe pas Rémi Cabella, il va se battre pour récupérer le ballon, il a récupéré. Tovin qui a pu lui remettre. Cabella pour Moussa Sissoko dans la profondeur, il est pas assez rapide là-dessus. Oh, il y a Wijnaldum qui était démarqué là-bas. Wijnaldum, la frappe. Oh, la parade. Quelle parade. Oh, Cabella qui va essayer de se battre à la retombée, c'est perdu, c'est récupéré par Offenheim, ça repart. Hein. C'est Newcastle qui essaye de se remettre dans le bon chemin. Vargas. Ouais, quelle intervention de Wijnaldum face à Vargas, mais ça revient dans les pieds de Vargas. Finalement, c'est Busquets qui va récupérer le ballon. Busquets pour Wijnaldum. Oh, c'est perdu, mais ça file en touche. Changement à Newcastle United. Et qui c'est qu'on va pouvoir faire rentrer? Oui, grande question. Qui c'est qu'on va pouvoir faire rentrer? C'est Henri Saivé qui va rentrer. Et Johan Gouffran va rentrer à droite, à la place de Rémi Cabella. Tovin est passé dans l'axe. Occasion de porter le danger dans la surface. Double changement à Newcastle United. Est-ce que ça va pouvoir porter ses fruits? On verra ça dans pas longtemps. Wijnaldum avec Save pour son premier ballon. Oh, oh, faute! Et attention. Et l'arbitre qui a vu une faute dans la surface. Ah, c'est dans la surface en plus. Penalty. Oh, oui, penalty. Oh, penalty. Penalty, c'est sur une passe d'Henri Save. Regardez, ouais, là, il... Oh, c'est chaud, ouais, hein. C'est vrai, une décision un peu étrange, mais peut-être a-t-il jugé que la faute n'était pas assez sévère pour justifier un avertissement. Waouh. Oh, merde. Ouais, c'est dedans. Wijnaldum doublé.
Et Newcastle United reprend l'avantage sur Hoffenheim avec deux pénaltys. Il n'a pas tremblé au point de pénalty. Wijnaldum doublé et qui remonte dans le tableau des buteurs sûrement. On verra combien il a de buts. Wijnaldum avec ses... à seulement deux buts. Il mène à la marque désormais de buts à 1. Seulement deux buts, ils sont aujourd'hui ces buts. Ils tombent à pic d'ailleurs. Oh là, l'intervention de Gouffran. Eh oui, petite faute de Johan Gouffran. Allez, allez, il reste un quart d'heure de jeu. Tenir ce résultat. On avait vu Newcastle qui remontait quand même vers l'avant, mais attention, maintenant Hoffenheim qui va pouvoir se remettre aussi à l'attaque. La bonne tête de Moussa Sissoko. Ça va revenir, attention. En jeu. Sakhtar aurait dégagé. Allez, il reste moins d'un quart d'heure de jeu. Croulet au dégagement. Un remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Oula. Rudy. Le centre de Rudy. C'est mal fait. Ça va revenir dans les bras de Krul. Qui va dégager tranquillement à la main avec Seive, Sissoko, Tovin. Pour Gouffran qui est rentré il n'y a pas si longtemps. Johan Gouffran qui va pouvoir essayer de faire la différence. Il se fait bouffer. Les supporters qui poussent. Oula. Changer ce résultat. Mba, c'est bien. Ils ont beaucoup de pression sur leurs épaules en cette fin de match. Seive. Wijnaldum. Wijnaldum qui va essayer de lui de provoquer. Avec Gouffran. Allez, t'es rentré il n'y a pas si longtemps. Tu dois faire la différence pour la remettre sur Wijnaldum. La frappe. Oh, c'est contré. Diamat, Gouffran, Sissoko. Il est dans la surface. Il glisse. Sissoko se retourne. La frappe. C'est contré. Ouais, on lui a barré la route. Oulala, oulala, oulala. Attention, là, c'est Willems qui va essayer de venir défendre. Là. Oulala, 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 oulala. Bonne récupération de Willems. Oh, Tovin. Ah, Mitrovic, il partait. Polanski. Attention, 86ème minute. Oh, le rebond retour de Diamat. Directement dans les bras de Krul qui va relancer de l'autre côté. Oui, Wijnaldum maintenant. Oui, c'est bien. Allez, Gouffran. Tovin en milieu offensif aujourd'hui pour cette fin de match. Tovin. Ah là là. Il a vraiment cassé une occasion importante là. Oh, Sakhtar qui est pas. Sakhtar il est pas dans ce match. Attention avec Mba qui va falloir en revenir. Oh, il le met. Oh, il le met. Oh, qu'il est important ce but. Qui va offrir peut-être le match nul. Oh putain. Sakhtar, il n'y est pas du tout. Changement, c'est Colback qui va rentrer à la place de Sissoko. L'entraîneur espérait passer une fin de match plus tranquille, c'est raté. Eh oui, ne sont pas restés assez vigilants. Putain, j'y crois pas. Ah, c'est dommage de laisser filer la victoire comme ça. Et alors qu'on pensait qu'ils allaient se diriger vers une victoire acquise, eh bien ils viennent de craquer. Oh non. Alors là, par contre, je suis pas d'accord. Sakhtar, t'as intérêt à l'avoir. Hein. Oh putain, Sakhtar. Sakhtar. Oh là-bas. En plein sur la transversale. Dégagez-moi ce ballon. Et ça soulage. On n'ira pas plus loin dans ce match, c'est fini. L'Ajax y prennent moins 2 au goal average, 3-1. Et Babelin, tout va se jouer à la dernière journée du coup, parce que là on est de nouveau à égalité. On est de nouveau à égalité. Alors ça va être compliqué là, ça va être un peu plus compliqué là pour cette fin de match. Enfin pour cette fin de phase de poule de Champions League. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On va se retrouver très vite pour le match contre Tottenham. Merci à tous, à la prochaine. Salut tout le monde.